Salut tout le monde, c'est l'anneau, on se retrouve sur l'ombre de la guerre. Je comprends où je m'étais arrêté hier. Nouvelle zone. La nouvelle bébête, d'ailleurs aussi. Je sais pas la zone parce que j'ai pas que ça à faire. Et elle est peut-être un peu puissante pour mon niveau. Je suis pas très très bon. Alors, on récupère ça, on va récupérer les tours. Je peux pas le... J'aime le chant. En Elvitch. Alors, ici. Du coup, il y a une autre tour. Ouf. Ah ouais, ils sont pas à côté. Hein. Bon, on va aller à la tour suivante en récupérant des verres sur le passage pour en apprendre un peu sur les. Mais non. Faut pas le tuer, vous voulez. T'aimes ça là-bas? Oh, idiot! Reste là! Putain, mais... tu m'as mis que t'arrives. Eh ben, il y a du monde, hein. Salut, je vais te passer. Yeah.
accompagné d'une terrible matriarche gurgule. Voilà. Ouais, elle me frappait pas pour j'ai contenu dans mon foiré. C'est la dernière. Tu cas un mot. Je suis pas parti en même temps. Même si je suis pas parti, je suis désolé. Ah merde, je sais plus s'en poser. Le renard est idée. Parce qu'on t'emporterai la tête. Allez, viens là toi. Dès que tu t'éloignes un peu du groupe, hein. Mieux que le tu sens cette petite tenue aux fourrures. Hein. Avec des archers comme capitaine, mais c'est non. Ah tiens, j'ai essayé. Ok, je suis prêt. Je peux pas viser les yeux dessus. Pas des masques épiques, hein, en gros. Ok, on est reparti du coup. Tourne en direction de la tour, si on fait du verre sur le passage, c'est tout bénef. Ah, il y a du verre, hein. Cool. Des Uruks.
Hop, des infos. Ah, lui, c'est un épique. Ah bah, il mérite que je le capture, du coup. Je vais pas le tuer. Allez hop, c'est parti. Il est de retour. Va t'anéantir. Ah, il faut tomber. Je sais pas, il y a un truc à faire apparemment. Ah, là, il faut péter en fait. Ah, c'est plus jeune. Et ouais, les gars là, vous m'attaquez un petit peu nombreux là. Et toi, tu m'as saoulé là avec ton arc là, ton arbalète. Tu es à moi, rien du tout, mon pote. Ah, schlack. Mets ta tête. Et tu pars. On va y des bébêtes, on va les éviter. Rêver une démonstration amusante de sa maîtrise de l'arc elfique. On va voir ça. Kanas désigne la bravoure. Elle était nécessaire pour envahir le Mordor et l'arracher à la domination de Sauron. Ils ont désigné pour en gagner du coup. Enfin, atteindre la limite. Enfin, le temps. La fin de. La limite de temps. Allez hop, on saute. Voilà, je suis. Ah, il faut que je fasse votre infini. Ah, avec oiseau de part. D'accord. Ah, j'ai plus de. J'ai plus de concentration. Bon, bah là, je pense qu'on va retenter le. On va le retenter parce que je me suis mal pris en fait. Parce que le fait de sprinter, ça m'a bouffé ma concentration, ce qui fait que je me suis retrouvé sans concentration comme un con. Kanas désigne la bravoure. Elle était nécessaire pour envahir le Mordor et l'arracher à la domination. On va y aller tranquillement, juste en courant. Peut-être un peu au début. Voilà, ça va se régénérer. Faut que je l'atteigne le truc. Et arrête de courir. Voilà, cours normalement. Ça, le temps que je monte, ça se régène. Nickel. Merde. Ah, damned. Putain. Ah non, faut pas que je foire mes tirs en fait. Faut pas que je foire mes tirs. Hop, on recommence. Bon, les 3 points de la mission. Kanas désigne la bravoure. Elle était nécessaire pour envahir le Mordor et l'arracher à la domination de Sauron. On va sprinter au début, de toute façon. Ça va se régénérer par la suite. Voilà, jusqu'à ici.
Et ici, on court en mode normal. Allez, il faut se régénérer la concentration, là. Voilà, comme ça. Ah non, j'ai... Ah, il manque un tiers-tête. Il manque un tiers-tête. La tristesse. On va la recommencer. On va finir par y arriver. Hein. Oh, ça doit être l'horreur, ça, jouer à la manette. Kanas désigne la bravoure. Elle était nécessaire pour envahir le Mordor et l'arracher à la domination de Sauron. Allez, hop. Que demande le peuple. Et en plus, du coup, j'ai gagné un point de talent. Lorsque l'unique permet... Hop, toi d'arrêter de raconter ta vie. Ah, j'ai encore des sous. On va déverrouiller les ruines restantes. Tant qu'à faire. Alors, du coup, est-ce que j'ai... Ça va me permettre d'avoir plus de vie en fait. Ça en va. Hop. On va fusionner la suivante. Hop. Doigt pour passer à celui de. Et maintenant, le petit personnage. Non, c'est pas dans ça, c'est dans le personnage. J'ai gagné un point de talent. Donc il manque plus qu'un point de talent pour déverrouiller la frappe de l'ombre. J'ai appris la différence entre bravoure et témé. On s'en fout de ta vie. J'ai la tour qui est là-bas. Ouais, il va falloir que je... De toute façon, que je passe à la tour. Lorsque j'affronterai à nouveau Sauron, je ne laisserai rien au hasard. Salut! J'ai collecté des infos. Tu finiras par obéir! Plus les mecs. Ok, ça. Non. Bien épique dans la zone. Comment ça? C'est un peu la tristesse quoi. Non, c'est pas toi que je visais, c'est pas toi. Bah, allez. Non, par là. Ah, si. Si, j'ai rien dit. Il y a deux ennemis épiques. Autant pour moi. Par contre, lui, il va falloir que je le bute parce que sinon, je pense qu'il va s'en prendre à lui. Et je veux pas qu'il le tue. Foutez pas le feu, les gars, vous êtes pas sérieux quoi. J'ai même pas besoin de vous attaquer, vous entretuez quoi. Avec vos bêtises. Hein. Ah, là-bas, il y a une autre. Il serait dans le coin que quelque chose vient de bouger. Le rôdeur. Trop tard. Autant de me frapper. Tiens,
si je fais la mission, l'autre il va gagner le niveau. Il y a des ennemis dans le coin. Regardez-moi. Regardez, au-dessus de nous. Allez. Ah, la tour, elle est là. On verra. Je crois que j'ai encore vu. Non, c'est pas toi que je visais. Tu es à moi. Ouais, tu es à moi. Allez, hop, encore un renseignement. Et ce sera. Crève, Boros. Mais le voici. Moi, je suis là. Raté. Je me cache pas, je monte. Je fais de l'exploration. Ah, salade tomatonique. Ouais. Eh bien, il y en a des trucs à collecter ici. Hein. Ah, il y a un verre là-bas. On va aller lui rendre visite. Un, deux. Ah, ça me fait trois épiques en fait. Je vais aller aider lui en fait. C'est où? Attends, c'est qui? Grog. Zatra l'abstinent, je m'en cogne. Amug l'ombre, c'est ça. Contre l'orme le lèche-bot. Du coup, je vais ensuite sur ce point-là. Hop, c'est qui part? De l'autre côté. Faudra être pur de plus. Eh hey, genre le vieux trou moule shot quoi. Ah, j'ai plus de concentration. La tristesse. Après, il va falloir que je commence à dévoiler les skills pour tout ce qui concerne les créatures, pour avoir les quêtes de la zone. Parce que j'ai vu, j'ai regardé un peu avant de démarrer l'enregistrement, il y avait des quêtes qui nécessitaient d'avoir les trucs de... Voilà, les bestioles comme ça, là. Je viens de voir sur la droite. Et les drakes. Pour avoir la compétence pour pouvoir les apprivoiser et enfin, les convertir. Et les monter. Hop, on filoche à toute vitesse. Et on va aller démarrer la quête. Les hommes sont faciles à tuer. Trop même. Ouais, trop. Ouais. J'attends que ma concentration se recharge. Mais non, c'est dans ta tête. Alors. Moi, celui que je veux sauver, c'est Amug l'ombre. Qui est inflammable, tête fragile. C'est pas top hein, comme stat. Par contre, il a l'épreuve des bêtes et enragé par les exécutions. C'est une couteau épique. Ah, mon cousin. Ok. Ah,
je peux voir, est-ce que je peux voir l'autre? Oui, je peux voir. Mortellement vulnérable à la furtivité, donc je peux le one-shot techniquement en le sautant sur le rabble. Attention, vous repérez un homme, abîmez-le, lui ne se gênera pas. Plus qu'un petit instant et rappelez-vous, on tue d'abord et seulement ensuite on démembre. J'aime bien son skin. Alors il est où Jean-Claude? Ah il est là, mais il est pas tout seul. Joli. C'était quoi? Joli. Montre-moi ce que t'as de gros. Tu sais qui je suis? Non, tant mieux. Je suis juste sous ton nez depuis le début. Je t'ai sous-estimé cette fois. Sans repli. Ah, donc l'autre il a gagné un niveau. Ok, donc c'est bien ça. J'ai gagné un point d'aptitude. Allez hop, je ramasse mon corps. Ah putain, mais désolé, c'est pas grave. Je veux pas te tuer, Michel. Sois tranquille. Ça fait longtemps, le poisonnement, la vache. Ça m'a peut-être envie de la concentration. Normalement... Ah bah non, j'allais dire, normalement, il y a des ennemis capitaines, mais ils ont peut-être encore pop. Je veux pas te tuer, Bobby, là. Laisse-moi tranquille. Voilà. Maintenant qu'on est un peu au calme, non c'est pas ça que je voulais voir, c'était armé. C'est du coup il y a des trucs qui ont avancé. Alors lui je veux le garder. Lui par contre il est emmerdé par. C'est lui qu'il faut que je bute. Noruk Ventreflamme. Noruk Ventreflamme qui est situé. Donc c'est Noruk Ventreflamme. Faut que je trouve la quête. Elle est ici. Ok, j'ai pas plus près, chier. Il va falloir que je traverse tout. Il n'y a pas d'autre... Si, il y en a une là. Alors, vu que je suis là, je vais aller le faire. En vitesse. Et... Attendez, je vais déjà régler. Je sens quelque chose. Je vais ensuite aller faire la quête tout à l'ouest. Ouais, en fait, j'ai une adresse. Oh, il y avait des bébêtes. Ah, collectible. Je suis là, je vais le prendre, tant qu'à faire. Je peux pas sauter par là. Bon. Je vais te faire tout le tour, du coup. On a l'impression que ces grottes peuvent nous suffoquer. L'orque philosophe. Ah, hop, j'ai besoin d'un peu de vie. Merci, Michel. Vas-y, essaie d'affaiblir mes défenses. Tu vas échouer et tu vas perdre la vie. Ah, oh, il a l'épreuve des flèches, le cancer. Frénésie bestiale. Pour avoir tué une bête, bon, ça c'est bon. Je ne connais pas ses points faibles. Ah, viens, viens, Michel. Avec un peu de chance, tu seras mortellement inflammable. Il va nous réduire en cirque. Il est ici.
parce qu'on peut pas les attaquer en frontal avec leur bouclier de merde. Aïe 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 aïe, ça pique. Attends, je reviens Michel, je vais juste me prendre un peu de vie. Soigné, wesh, tu peux. Toi, mon petit pote. Il y a un verre en dessous, je vais peut-être aller le prendre pour collecter une vie. Et endommagé. Il est... C'est pas lui. Ça doit être lui. Non, c'est pas lui. Ça, ces bestioles, c'est la merde. Aïe 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 aïe. Et j'ai plus beaucoup de vêches. Encore un peu de vie. Allez, les flèches. Ah, tu t'es mis devant, on ne fallait pas. Restez loin du feu. Voilà, celle-là, tu l'as pas volée, toi. Ah, c'est le second souffle, ça. Je ne céderai pas aussi vite. Ah, voilà, tout à l'heure. La fête. Tu qu'un mot. Insignifiance. Attends, mais je le finis, je m'en fous de toi. Ouch. D'autres me voient de là-bas. Je clope derrière. Ah, ils font chier les bestioles là. Voilà, déjà il y aura plus de bestioles de merde. Voilà, ça c'est fait. Tu me saoules les mecs. Mortellement flammable, d'accord. Je peux me foutre le feu. Il n'y a aucun souci. Vas-y, viens par là, Bobby. Faut juste que je m'approche sans qu'on flèche pas. Ah, je sais pas s'il est pas aussi vulnérable à la furtivité. Ah. Ah, évité par la furtivité. Ça marche aussi. Voilà. Comme une merde. Et non, ce qui est intéressant, c'est le résultat. Ils n'ont pas la grâce et la précision des elfes, mais ils persistent à tirer des flèches comme nous. Ça m'est égal, tant qu'ils manquent leur cible. Il est sur le mur. Moi. Captain. Ce poros a filé depuis longtemps.
suis encore là, mais tu ne sais pas ça. Orc. Ça va, lui, ils sont pas fait chier pour le nom. Ah, ils sont allés dans leur coin par là. Non. Bon, on va ressortir, on va se diriger vers la tour du coup. Ah, tiens, il y en a un là derrière. Ugol. Ah, j'aime bien son. Ah, en plus, c'est un épique. Nickel. Bon, lui, je le recruterai, je pense. J'aime bien son skin. Oh, il y a une balle de verre ici. La jambe éventuellement parce que bon, tu me suis mais bon c'est une autre histoire. Ah, B d'Everine aptitude, cool, je vais pouvoir faire donc la frappe de l'ombre et retourner donc dans l'autre ville faire la quête secondaire. Allez, allez gros. Faudrait que je résolve le conflit pour pas que le Epic se fasse, on sait jamais, qu'il se fasse déglinguer par l'autre. Ah, d'accord, il faut pas relâcher en fait, je pensais. Ouais, je me lave deux fois par jour. Alors ça va, ils sont tous au même endroit, ça va ranger mes affaires. Là, il ne reste plus qu'un qui doit être par là. Nickel. Et point d'aptitude. Alors, on va commencer du coup à prendre les chevaucheurs de Karagorg. Je crois que... Ah oui, il me faut 3... Ah, il me faut 4 points en fait, ce chevaucheur de Drake est tout à la fin. La tristesse. Ok. Ah, donc je pourrais faire cette quête là plus tard. Donc on a dit qu'on allait résoudre cette attaque de camp parce que il y a Pushkrimp, le lécheur de verre que je veux convertir plus tard, et Nurug Ventreflamme. Et je veux pas qu'il le tue. On sait jamais, je vais pas prendre de risque. Parce qu'on se connaît pas l'issue des résultats, parce que c'est assez aléatoire, j'ai l'impression, pour les victoires. Même si bon bah peut-être le facteur faiblesse, vulnérabilité et force qui rentre en jeu, mais j'ai comment dire ça. Hop, tiens, ça c'est gratuit. Ça va faire par la maison. Alors, le lécheur de verre et le level 6, l'autre il est level 9, effectivement. Proie des bêtes inflammables. Ça c'est pas cool. Donc faut que je me débarrasse très rapidement de l'autre en fait, j'ai l'impression. Je vais voir l'autre, qu'est-ce qu'il a comme faiblesse. Mortellement chétif, j'ai pas de poison, c'est dommage. Vulnérable à la furtivité, ça arrange mes affaires. Enragé par les exécutions. Il fera 5, et je pense que là, ça. Ok, bon, déjà, il est pas... Enfin, il est vulnérable aux flèches. Enfin, je... Vous êtes des vraies terreurs, les gars. La crème de toutes les brutes du Mordor. Bon, n'allez pas les éliminer trop vite. Ça gâcherait tout le plaisir. Si je le tue l'autre, ça va me permettre, Michel, de me... Alors, va voir, pauvre gars. J'ai l'impression que tout le monde essaie de s'en prendre à nos défenses, les gars. Tuons-les tous. On va se répartir tous les morceaux, Dark. Moi, je pense celui où il y a le plus de viande. Je suis tout vraiment dégueulasse, mais il est super stylé, je pense, à recruter, je trouve super stylé. Tiens, hop, décapité, merci d'être passé. Je faisais parce que je me prends pas une lance de l'autre parce que c'est empoisonné.
Ah, il a gagné un niveau. Il est passé niveau 7 en question. Cool. Et moi, j'ai gagné un point d'aptitude. Ah, donc, c'est tout bénef. Et maintenant, je me casse. Putain, c'est blindé de verre ici. Surprenant. Alors, armée. Donc, lui, du coup, il est plus emmerdé. Ah. Il y a lui qui est emmerdé par lui. Garde le régisseur du dragon. Ah. Il y a Amug l'ombre aussi. Ah, mais lui, il puisse menacer ce qu'il y avait 6 contre le level 10, 12, quoi. La tristesse. Alors, est-ce que je peux me TP ici? Ah, il est inflammable là. Ok. Il est enragé partout, par contre, si c'est pas cool. Ugol, donc supplé, c'est ce que je veux. Enragé par les Drake. Dresser, peu épaisse. Ah, il est pas mal, hein. Il est vraiment sympa. Faut que je dégomme le verre. Poignarder, c'est bien, mais il faut épicer les choses un peu. On plante et on tourne. C'est ça qui fait la différence. Il ne voit pas. Faut que ça dure jusqu'au moment de frapper. Attaque fantastique, et voilà que tu viens tout gâcher. Je te déteste. Voilà, comme ça il l'a battu. Et on a Ugol qui gagne un niveau. Et je vais me faire défoncer. Tellement de viande à cuire. C'était la carte de l'armée. Ah non, attends, avant, tire avant. C'est juste que j'ai chopé une nouvelle cape. Oh, bien. Par contre, tu as un ennemi à d'autres bêtes. C'est mieux que ce que j'avais de toute façon. C'est kiff kiff. Réduction de 16% des dégâts d'attaque à distance subie. Ouais, on va attendre d'avoir une nouvelle arme quand même, parce que là, c'est pas le feu. Niveau 4, niveau 6, plus de dégâts, mais j'aimerais bien avoir le bonus de l'arme en pose. Ok, ah, celui-là par contre je peux l'améliorer. Chance d'empoisonner la cible, ce qui permettrait de faire celui-là. Tiens, tire à un ennemi empoisonné. Ok. Personnage. On a un point de skill. Ce qui va nous permettre d'avancer sur. Ah, je peux pas le prendre, faut que je prenne celui-là. Je suis au champ de Frog. Gros.
rogue. Du coup, dans l'armée, on a quoi? On a lui que je veux protéger. Niveau 7 contre niveau 6. Il devrait à peu près s'en sortir. Lui, niveau 7 contre niveau 10. Mais lui, il est niveau 10 contre niveau 8. Sachant que le combat est pour un tour. Et dans un tour, pardon. Donc, on va aller l'aider. Ah, je suis en combat, je peux pas. Je suis encore en combat là ou. Non, c'est bon. Ça fait un peu d'XP, ça fait un peu de stuff et surtout je protège les mecs que je veux récupérer plus tard. Sachant qu'il va falloir que j'avance dans le scénario principal pour pouvoir avoir la compétence qui permet de recruter les capitaines. Je me dis que c'était au chapitre 2 en fait. Non, c'est pas vrai, je suis pas là. Alors, on a lui que je veux déglinguer. Il est mortellement inflammable. Hein. Et lui, il est inflammable aussi. Ah merde. C'est celui-là, la capuche, que je veux déglinguer. Ça va? C'est lui! Tuez-le! Si tu veux m'avoir, il va falloir que tu mettes la main sur moi. J'aime bien son design à lui, il est vraiment sympa. Et voilà. Mortellement inflammable, ça a fait son taf. Ah mais bon, on va gagner un niveau, et moi aussi, tiens, d'ailleurs. Ah non, c'est bénéfique pour nous deux. Tout ça. Le petit couteau des familles. Alors, du coup, on va encore avancer. Je peux appeler les montures maintenant. La petite épée, elle est moins bonne, c'est dommage. Je sais que c'est un couteau, mais non, ça fait stair, ça va. Ok. Alors, du coup, hop, qu'est-ce qu'on a comme nouveau. Nouvelle avancée. Ah, on a un nouveau capitaine. Il y a le niveau 10 qui en veut au niveau 7, donc lui il va falloir aller l'aider, clairement. Et lui aussi, lui c'est dans deux tours. Donc c'est lui que je veux aller déglinguer en fait. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller là. On va se taper là-bas. Mon poignard t'a traversé la tête. Oh, je suis en feu. Ah, heureusement que je suis pas. Et soyez un peu plus résistants les gars, j'ai pas le temps de vous empoisonner en fait. Je vais te tuer. Ah, lui, le... ah non. Non, ça va pas. Tu vas. J'ai pas le temps de vous empoisonner, les gars. Vous êtes pas assez résistants. Hein. Faites un effort. Bon, là. Toi, tu files des infos sur le nouveau capitaine, mon ami. Golem de lave, non, je suis vraiment une seule. Mais il faut que je le récupère. Il a aucun charme. Le rôdeur, oui, c'est lui. Ah, toi, un truc. Je vais le garder. Ça doit faire.
principe, les gars. Je l'ai Ah bah j'ai pas le temps de les empoisonner, ils sont trop faibles et du coup je tue super rapidement. Ah c'est bon ça. Alors appuyez sur clic gauche pour attaquer et gagner la puissance F. Lorsque votre puissance est pleine, appuyez sur F pour dévorer les ennemis afin d'obtenir de la santé. Allez, t'es mon copain, maintenant tu vas me défendre. C'était ça le mot. Du coup, la quête elle est où? Elle est là-bas. Alors, faut que je fasse le vent par contre. Ça, ça fait chier. Salut, je vais te passer. Ne vous occupez pas de moi. Ah, une flèche. Ah d'accord mon client, non c'est des mecs qui ont des objets. Ou des sous. Entendu ça. Ah, une gemme verte là-bas. Allez les gars, on va se fouler. On va gagner tout le temps. C'est par là. Ah, il y a un souvenir de récognition. On va profiter, on va le faire. Voilà. J'ai choisi la forme d'une araignée car je voulais arpenter la toile du destin. En tisser les fils. Si je dis ce que tu dis. Le Seigneur des Ténèbres a choisi une autre voie. Une carapace d'acier sombre et froid. Il est devenu une machine. Voilà. Donc ça c'était Sauron en fait, si j'ai bien compris en fait. Avant qu'il revête son armure métal. Attends, voilà. Alors est-ce qu'il y a des nouveaux capitaines? Je vois qu'il y a un verre. Donc ça c'est nickel, je vais pouvoir aller faire la fête à l'autre. J'ai déjà vu joli. Il y a des flèches en plus. Hein. Ah non, c'était derrière la tour. Alors, la torche. Il a terreur de la brutalité. Il a l'épreuve du feu, enragé par la faiblesse, vulnérable aux exécutions et à la furtivité. Bon, ça ne devrait pas être trop un souci pour moi. Et donc, celui que je veux protéger, par contre, j'espère qu'il n'est pas sensible au feu. Sinon, ça va être un calvaire. C'est bon, ça va. Tiens! Le voilà! Attrapez-le! Oh non! Comment est-ce que je vais bien pouvoir m'en sortir? Le mec il provoque, vas-y sur moi! Je suis le meilleur! Hop! Petite attaque furtive déjà. Non. C'était pas l'épreuve des flèches, donc je vais en profiter, mon ami. Ah!
Ah non, laisse-moi t'empoisonner. C'est ma proie. Tu as gâché mon plan. Ah, t'es pas empoisonné, tu fais chier, Michel. Ah, mais oui, si je mets des tire-tête à un mec assez résistant en PV. Ça, enfin, il y a des pourcentages que je vais poser, parce que c'est basé sur le critique. Alors, un arc. Ouh, pas mal. Ah, c'est dommage, je venais de dévorer le machin. Sur un ennemi enflammé, bah ça, ça me paraît un peu plus faisable déjà. C'est dommage. Petite pourcentage de chance qu'un tir à la tête enflamme les ennemis. Ah, c'est tout bénef ça pour moi. Élimination furtive sans vous faire toucher. Ah, faut les enchaîner en fait. Ok, ça me va. En étant à dos de bête. Faut que je tue des ennemis en étant à dos de bête. Ah, j'aurais dû continuer, j'avais pas fait attention tout à l'heure. Donc, on a quoi? Lui va vivre sa vie parce que j'ai tué son capitaine. On a lui qui est emmerdé par 6 versus 7. Ouais. Ça devrait aller. Et lui, c'est celui qui veut protéger. Alors lui, il a quoi? Proie des bêtes, peur des exécutions, à l'épreuve du feu, enragé par les blessures. Bon, lui, je pourrais le faire à l'arc, je pense. Il y a de fortes chances, ouais. Alors. Il est où? Il est là-bas. Bah, c'est juste à côté d'un TP. Hop. T'es sûr de ton coup au moins? Tu ferais même pas de mal à une mouche de Morgaï. Si j'avais davantage de temps, j'éventrerais lentement tes gars, et je te noierais dans leurs entrailles. Oh la petite pute! Si tu ne veux pas Malfilio, fais gaffe! Putain, il m'a bien surpris l'enfoiré, hein. Je me suis demandé c'était quoi qui m'avait percuté. Putain, j'ai pas d'infos sur le coup. J'en refuse de mort! Ah bah, il l'a tué, nickel, comme ça il va gagner un niveau. Et ça va m'éviter de le faire. Et maintenant je vais m'occuper de ton cul. Mais grave! Je sais exactement ce que ça fait de revenir mais de non. La mort. J'ai connu son étreinte glaciale sur le champ de bataille. Jusqu'à ce qu'une sorte de chaleur grouillante vienne m'envahir. Des milliers de larves remuantes ont rampé sur moi et à l'intérieur de moi, arrachant la chair morte de mes nombreuses blessures. Depuis, elles sont toujours avec moi, toujours. Une horde mouvante et grouillante qui me cause du tourment. Ah, merde, il y a des araignées. Fléau des araignées! Elles m'ont mordu. Les terribles araignées du Mordor. Et ça m'a plu. Je me suis imprégné de leur venin. J'ai répondu à leur appel. Je ne fais qu'un avec les araignées. C'est lui qui. Ah, putain, je sens bien très sensible à les invoquer, les araignées. Il y en a plus! C'est un super bon truc. Ah, putain, tu peux plus 4 flèches avec cet arc là, hein, c'est de la tristesse là par contre. Alors attends, toi je veux pas te tuer. Ah, il est tout seul pour le mec que je vais buter.
Vite la toile! Ah ouais, Jean, il m'a pesé le pied sérieux. Oh là, je l'ai évité de pas grand chose ici. Ah, il est enragé. Faut que je parte me soigner, j'ai plus de vie. Voilà, parce que toi tu vas saouler. Avec un peu de chance, normalement, ça va mieux que c'est que ça déjà. Ça va être très très difficile. Voilà. Alors, on en profite du coup. Inventaire. Oh oui, elle est mieux que ce que j'ai tué un capitaine avec une arme à longue portée. Ah, c'est con parce que je viens de le faire. Et ça recharge de 8 par élimination de capitaine. Oh purée! Je peux pas la vendre celle-ci par contre. Alors, on en est où? Bon, tous les épiques ne sont pas emmerdés, donc ça arrange mes affaires. Du coup, je vais. Est-ce que je vais pouvoir me TP ici? C'est à proximité de la quête principale. Que je reprendrai au prochain épisode. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.